Je vais vous décrire quatre méthodes pour structurer de l'eau avec un CEF. La première, c'est de simplement poser sa bouteille sur le CEF et d'attendre un temps suffisant pour que tout le volume soit structuré. Il y a un tableau récapitulatif de toutes les durées minimales par CEF, dont vous trouverez le lien en description, et qui est aussi dans le mode d'emploi livré avec tous les CEF. Par exemple, pour celui-ci, c'est 24 minutes. Je considère que le temps indiqué, c'est pour 1 litre. Donc, cette bouteille fait 1 litre, 24 minutes. La deuxième méthode, c'est de structurer l'eau qui coule avec le CEF placé devant. Parce que de l'eau en mouvement, de l'eau qui coule dans le champ d'un CEF se structure instantanément. Alors vous pouvez faire ça pour remplir votre bouteille au robinet, ou alors quand vous versez dans le verre. Alors il est préconisé d'attendre quelques secondes que l'eau coule quand on la remplit au robinet pour que le CEF s'active et commence à structurer l'eau. Pour un verre, c'est pas vraiment possible d'attendre, mais là, le CEF s'active et l'eau fraîchement structurée vient informer celle qui ne l'était pas au début. Ce qui nous amène à la troisième méthode, qui est de compléter soit une bouteille qui a été préalablement structurée mais qui n'est pas complètement vide, on la complète avec de l'eau non structurée, on secoue et nous avons un volume complet. Donc c'est une méthode très rapide pour retrouver un volume complet d'eau structurée. On peut aussi, à l'inverse, avoir, imaginons que ce soit ma tasse de thé et qu'elle n'ait pas été structurée. Alors, je verse dedans un petit volume d'eau structurée. Je remue. Voilà, mon thé est structuré. Vous pouvez faire ça aussi avec votre bain. Donc, soit vous laissez le CEF sur le robinet avec l'eau qui coule, soit vous structurez un demi-litre d'eau et puis vous le mettez dans votre baignoire, vous remuez et vous avez une baignoire complète d'eau structurée. Et enfin, la quatrième méthode, c'est par des micro-vibrations, donc en faisant voilà, vibrer le verre avec la petite cuillère. Pendant 30 secondes, 1 minute, dans le champ du CEF, l'eau se structure beaucoup plus rapidement. Donc pour un verre, on n'aurait pas à attendre 24 minutes, mais en faisant ça, c'est encore plus rapide. Voilà.